Qu'est-ce qui pousse un homme à réaliser ses rêves? Pourquoi certains sont-ils plus déterminés que d'autres? Frederik Paulsen ressemble à ces gentlemen britanniques du 19e siècle. À la manière d'un Phileas Fogg, il a fait le pari, voici 13 ans, d'être le premier homme à toucher les 8 pôles que compte la Terre. Les pôles géographiques, magnétiques, géomagnétiques et d'inaccessibilité. 4 dans l'hémisphère nord en Arctique, 4 dans l'hémisphère sud en Antarctique. Les conditions météorologiques de l'Antarctique et l'incertitude qu'elles impliquent poussent les hommes à multiplier les ambitions. Frederik Paulsen est à la poursuite de son dernier pôle, le magnétique sud. Mais l'Astrolabe, le bateau scientifique qu'il a affrété, est bloqué dans les glaces de la banquise et doit attendre la débâcle. Alors, Frederik et son équipe décident de gagner le pôle sud géographique à ski en parcourant le dernier degré, soit 111 km, en 7 ou 8 jours. Frederik est un homme qui aime partager ses passions. Il ne part jamais seul, préférant s'entourer de compagnons de toute nationalité. L'accompagne dans cette expédition son fils aîné Jean-Frédéric, 3 invités russes, Micha, Dima et Gena, Thierry, un journaliste suisse, son guide Ben, Christian, le logisticien de ses expéditions, et une alpiniste américaine. People, please, sell off all of you have. Sell, get money, and invest to this trip. Excellent, beautiful, a fantastic trip. Marcher par moins 35 degrés. Marcher 5 à 6 heures chaque jour en tirant sa poulka surchargée. Garder un rythme précis afin de ne pas monter le corps en température et risquer le gel. S'abstraire de la monotonie et de la souffrance. Avancer, toujours avancer. On se rend pas compte à quel point il fait froid en fait, c'est ça le truc. Et là il fait vraiment très très froid. Трудность, холод. Результат достигнут такой, что мы в любом случае перебороли себя. Те страхи, которые у нас были. С Фредериком я готов, как говорится, на край земли, и уже не первый раз с ним нахожусь. И в точке Северного полюса находился, и в точку Южного мы подходим. Non seulement il cherche
à atteindre ces 8 pôles. Il va y parvenir, mais il n'y a pas que ça. Il y a les gens avec qui il le fait. Et ça, c'est presque aussi important, si ce n'est plus, que le fait d'y aller. Moi, j'ai un jour un copain qui m'a dit « Oh, Frédéric, il a quand même la chance de t'avoir trouvé parce que tu connais tellement bien la glace, t'as passé tellement de temps sur en Arctique ou en Antarctique. Tu l'emmènes traverser le détroit de Bering en ULM. » Puis là, moi, je lui ai tout simplement répondu « Est-ce que c'est pas moi qui ai eu plutôt la chance de rencontrer Frédéric, quoi ?» I would like for you to join me in a toast for Ben, a good friend, a competent a man to have in the field, and a real talent. Happy birthday! Joyeux anniversaire, Ben! Joyeux Tu vois ce qu'il y a de plus dur dans ces raids polaires, le réveil. Le but est proche. Demain, l'équipe devrait atteindre le pôle sud. Il est urgent de savoir si l'Astrolabe, le bateau scientifique, s'est libéré des glaces de la banquise. Ouh ! On avance vers le sud tant bien que mal, et que ça passe, mais doucement, voilà. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Ah, joli. Oh, c'est une excellente nouvelle. Ok, bah, je vous laisse en manœuvre et puis je rappellerai un peu plus tard dans la journée. D'accord, bah, je lui passe le message. Ok, super, tenez bon. Hein. Ouais. Allez. Pas de problème, merci. À plus tard. À plus tard, au revoir. Au revoir. Bon, plutôt bonne nouvelle, oui, ils sont à 5000 de la sortie de la glace. Donc il est en manœuvre, il ne peut pas me prendre, il pousse. Très bonne nouvelle, 5000 c'est quand même pas beaucoup, il en restait 15 hier, donc s'ils ont fait 15000 dans la nuit, c'est bien. Très très bonne nouvelle. Non, mais c'est sûr que ça fait très longtemps que j'ai pas été une semaine avec mon père aussi proche. C'est vraiment une bonne opportunité d'échanger beaucoup d'idées avec lui sur mon présent, mon futur. La deuxième, c'est aussi de voir un peu où lui, il en est dans sa vie. Et ça a permis de nous rapprocher de ce point de vue-là. L'expérience physique, ça, quelque part, ça compare un peu aussi. Et c'est sûr que qu'on se rend compte de la force qu'on a, quoi. De ce qu'on arrive à faire. Heureux d'avoir réussi, touché par les témoignages d'affection, Frédéric ne peut s'empêcher de penser qu'il a atteint ce point mythique pour la première fois, il y a déjà 10 ans.
Après avoir partagé ce moment de joie, on ne s'attarde pas. Frédéric a hâte de rejoindre l'Astrolabe. L'Astrolabe est parvenu à s'extraire de la glace. Il attend. Pour gagner le bateau, plusieurs rotations d'hélicoptères sont nécessaires. Il est têtu, c'est-à-dire que... il arrive à faire des choses aux logisticiens auxquels il... Au premier abord, on se dit, c'est du délire, c'est même pas la peine d'y songer. Et puis, en y mettant de l'énergie, un peu d'argent, effectivement, souvent, on arrive à monter des choses qui paraissaient complètement impensables au départ. C'est le dernier round. Frédéric Paulsen est en passe d'atteindre le 8e pôle, de réaliser son rêve, être le premier homme à avoir foulé les 8 points mythiques que compte la Terre. Mais c'est loin d'être gagné. L'Astrolabe est resté 17 jours bloqué. On a mis 6 de plus pour venir chercher Frédéric, et, durant la nuit, une nouvelle bande de packs s'est formée qui menace d'immobiliser le bateau. Il faut vite prendre le large. L'Astrolabe est passé. Mille après mille, on progresse vers le nord. Le 26 janvier 2013, à 12h15, Frédéric Paulsen gagne son pari. Le pôle magnétique sud est atteint par 64 degrés 1 minute de latitude sud et 136 degrés 58 minutes de longitude est. Arriver, c'est une sorte d'agir au lieu de... rêver. On a quand même eu ce rêve-là, on a agi, on est arrivé. C'est quelque chose. Maintenant, il faut trouver des autres rêves. C'est bien des degrés à la rame ici, ouais. C'est compliqué. Hein. Ah, tu veux faire ça par les moyens à pied. Et à quelle ici, profondeur ici? Ah, intéressant. Je regarde. Profondeur, de toute façon, ça sera pas bon. Parce qu'il fallait, dans la réalité, toucher le fond, sinon ça compte pas. Frédéric fait référence à la vraie position du pôle magnétique, c'est-à-dire au fond de l'océan. Il a lui-même réalisé, en 2007, la première plongée au pôle Nord, en bathyscaf, par plus de 4000 mètres de fond. D'échecs et de réussites, avec ce 8e pôle, le rêve devient réalité. Mais Frédéric ne songe-t-il pas déjà à d'autres aventures ?